Bernard de Montréal, par-delà le mental. Avant-propos de la première édition. Nous explorons toutes les frontières et nous reviendrons avec davantage de questions et moins de réponses. L'histoire se reproduira à nouveau jusqu'à ce que nous découvrions enfin la voie du progrès, afin de dévoiler les mystères, de mettre un terme à l'éternelle répétition et d'enfin évoluer au-delà de notre existence précaire, expérimentale et à peine féconde. Peu nombreux sont ceux qui, à chaque génération, accèdent à un monde de lumière, sciemment ou non, et en reviennent marqués du génie ou de la folie, laissant derrière eux quelques miettes de connaissances, après un aperçu furtif de ce dernier, inaccessible en apparence puisqu'il n'est guère dans l'intérêt des forces involutives de la vie sur cette planète, de donner à l'homme l'accès à sa réelle identité, sa liberté, son immortalité. Par cette brève introduction à la psychologie évolutionnaire, Bernard de Montréal nous révèle que cette ultime frontière se situe par-delà le mental. Quelle est sa source, son lien vital, sa pulsion créatrice? Chaque homme a accès à toutes ses réponses par la voie de son propre mental. Dans l'intérêt de son moi et de l'évolution de son ego dans le monde matériel. L'auteur décrit par channeling conscient ce processus créatif pleinement individualisé, unique par la précision de ses révélations et pourtant universel par son principe. Il dénonce les forces de vie qui sont de fait anti-homme, l'entraînant dans la mort jusqu'à ce qu'il intègre et prenne conscience des forces de l'intelligence agissant à travers son mental, son ultime frontière. Par-delà le mental évoque un parcours long et ardu. Il est fort difficile de s'éveiller à son mental et encore plus difficile de constater ce qui réside au-delà. Mais le sol ne se déchire qu'une seule fois et la découverte de soi n'implique aucun retour. De même que la connaissance de soi n'engendre aucune perte et aucune crainte ne persiste une fois l'ignorance vaincue. Elizabeth Winton, le 14 février 1998.